Qu'est-ce qu'on dit alors? Qu'est-ce qu'on souhaite au public et qu'est-ce qu'on souhaite à tout le monde? On souhaite qu'ils regardent le premier beau match. Voilà. Le plus beau match de l'aventure, et l'aventure elle commence que maintenant. Donc on va y aller. Le cœur rouge et noir? Ah, toujours rouge et noir. À petite roulette par contre. Merci beaucoup Lisa. Et ben, c'est avec un grand plaisir qu'on est là et qu'on accompagne le RCT Rugby Fauteuil pour leur premier match et pour... Voilà, c'est avec grand plaisir que nous venons faire ce match d'ouverture pour le rugby club toulonnais quad rugby. Donc c'est magnifique et en espérant que vous allez voir un beau spectacle et du beau jeu pour les deux équipes et tout le monde s'éclate. Et bonne continuation à vous. Et là, si en plus t'as un parade du côté où tu vas attraper le ballon et tout. Je pense que quand tu mets style, parce que t'as quoi quand t'écrases ta balle? JC, Teddy, un petit point. Là, t'as une équipe de Tétra. Et après, les parades, tu les fais jouer à la place limite à la place de Steve, quand, parce qu'à mon avis, avec cette équipe, Steve, il est vraiment très dominant, trop dominant. Tu fais rentrer un para à la place de... Thomas aussi. Moi, j'en ai aussi. À la place de JC, tu sais. Mais là, vu qu'ils ont un fauteuil pour deux, il va falloir qu'on fasse en Un petit mot Guillaume, bonsoir, on est à quelques minutes d'un début de rencontre de cette naissance. Ben déjà un petit mot pour le président, pour le RCT Association, pour cette naissance, l'aventure qui commence, pour vraiment le point c'est un honneur d'être là. On souhaite déjà la bienvenue à. C'est notre petit match de l'année, j'espère qu'on fera plaisir à tout le monde, à tous les gens qui vont venir le voir, nous on va se faire plaisir déjà. Et puis voilà, ce qu'on veut, c'est prendre du plaisir et que tout le monde en parle. Aujourd'hui, que tous les rêves prennent des réalités à Toulon, parce que Toulon rouge et noir, parce que le RCT, parce que... Parce qu'on a des villes passionnées de rugby, parce qu'on bat le rugby à Toulon, et puis voilà. Et parce que rouge et noir à Toulon. Voilà. Et comment tu trouves ton équipe en tant que coach? Ça va. On n'a pas encore les fauteuils, donc on ne sera pas encore prêt au niveau du remplacement, en attaque, en défense. Mais bon, nous on s'amuse bien, on a un bon petit groupe, on rigole bien, on passe bon moment. Voilà, c'est l'esprit qu'on recherche au début. Quoi. Voilà. Un message personnel ou pour le club? Un message personnel. Pour les joueurs, pour les familles, pour les supporters. Merci, un message personnel, ouais. Ben, remercie Toulon, la mairie de Toulon de nous mettre à disposition le palais des sports. On remercie bien sûr Olivier Guillaume parce que... Il est farci, mais il est au top. On remercie Bougelal parce qu'il nous a donné les sous pour réserver le fauteuil. Donc à tout ça et à tous les gens qui sont dans les tribunes, on leur dit merci parce que voilà, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Voilà, on est content. Ouais, on dit bon match pour ce premier match. Voilà. Tout le bonheur du monde. Merci. Eh ben, j'espère qu'ils vont se régaler ce soir. On va essayer d'être à la hauteur de l'événement, quoi. Et surtout leur faire découvrir en fait le quad rugby ici à Toulon, quoi. Pour qu'après ils puissent revenir nous supporter en connaissance de cause. Parce que Toulon rouge et noir? Ah oui, plus que jamais. Et le muguet dans le cœur? Ah, le muguet dans le cœur. Voilà, bah, écoutez, vous êtes bon match. Hein, merci beaucoup. Bienvenue à l'ASM qui est votre une grande équipe. Très sympa de nous êtes... Pas de bêtises, papy. Non. L'ASM, c'est une grande équipe. Très grande équipe, plusieurs fois championne de France. Plusieurs membres de l'ASM, membres de l'équipe de France de quad rugby. Et très généreusement, ils ont proposé d'être nos parrains pour justement nous lancer sur les rails et essayer de produire justement nous aussi une belle équipe de quad rugby à Toulon. Écoutez, on va vous remercier, vous concentrer dans la rencontre parce que merci beaucoup. C'est beaucoup d'énergie et, oui. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Merci beaucoup et une bonne soirée à vous. Également, merci infiniment. Bien sûr, les valeurs du rugby, une belle aventure qui commence. Aujourd'hui, et une belle aventure qui va continuer. Oui. Au-delà de ça, c'est un challenge personnel, particulier. C'est surtout pour Guillaume qui rêvait de monter cette section. Donc son rêve s'est réalisé et si ça lui fait plaisir, on est content pour lui. Voilà, donc pour le premier match, que le meilleur gagne ou plutôt le cœur rouge et noir? Non, c'est que chacun se fasse plaisir. Je fais partie de l'équipe, mais je ne fais pas de match. Et moi, je vais tenir mon équipe, je vais soutenir. Et c'est vrai que c'est un bon début pour nous. Un plaisir de voir ce public si nombreux et pour cette même, ça défoule, c'est un sport qui défoule, même si ça tape, même si ça fait mal. Rien qu'à l'entraînement, c'est chaud. Pour moi, ça m'a ramené beaucoup.
Écoute rien. Alors, il est... Yeah. De toute façon, c'est le RCT qui gagne, c'est tout. C'est comme ça. Bonne première, ça va être bien. Il y a les faux temps pour pouvoir y aller, pour pouvoir pourquoi pas. J'entends ce qu'elle va proposer. Merci. Franchement, on garde super pour bien. Bienvenue ce soir pour ce premier match et on vous souhaite un bon match. Merci. Merci. C'est le meilleur gagne, hein? Eh oui. Non, non, Toulon. Parce que Toulon, rouge et noir. Voilà. C'est bon. Merci, c'est bon. C'est bon. Ouais. On va d'abord le pied, non ? Parfait les gars. T'es en place. Merci, super. Tu trembles pas, Timo, pour le staff technique. Merveilleux. Merveilleux. Je pense que très important. Un petit message premier à Toulon et d'avoir la première fois le staff technique au travail là. Exactement. Et comment tu le trouves ce staff technique là? Ah oui, parfait. Satisfait de... À l'envers, ouais. Ah ouais, c'est génial, c'est génial. Bah, on a besoin de. C'est hyper plaisant quoi. C'est un métier, hein, je vois que tout cela c'est indispensable. C'est indispensable quoi. Donc pour les Toulonnais, appel à tous les bénévoles hein, qui veulent bien venir aider l'équipe du rugby fauteuil. Oui. Merci. Bonsoir. C'est bon. Donc c'est un message au président du FCT Association et au président du FCT SASP, M. Mourad Boudjelal. D'accord, ok. Ouais, bien sûr, ouais, de tous les bénévoles hein, sont les bienvenus, je pense, pour pouvoir aider le rugby club toulonnais à se développer.
Écoutez, on vous remercie beaucoup. De rien, je vous en prie. Et bon match. Hein. Merci. Bonsoir président. Bah, c'est la nouvelle recrue du Rugby Club Toulonnais. Donc c'est le plus heureux parce qu'il vient de signer au Rugby Club Toulonnais. Non, ce qui est très bien, c'est que c'est Brest, hein, c'est grâce au comité Côte d'Azur, grâce à tous les clubs qui sont autour, des mecs de la Seine, des mecs de partout, tous les arbitres qui viennent nous filer un coup de main, grâce à ça on aide Guillaume à faire un beau match. Et si on a pu faire ce match, encore une fois, c'est grâce à l'équipe de Toulouse et l'équipe de Montferrand, donc on reste dans les vraies valeurs du rugby, ce que je t'avais expliqué la dernière fois. Donc c'est bien, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont là, les élus qui vont passer. C'est le début d'une belle aventure. Président, quelle émotion Oui, c'est l'émotion parce que c'était un projet qui était difficile à mettre en place et que heureusement que tu as des mecs comme Guillaume et Lisa qui te remercient qu'ils se sont envoyés comme on dit dans le monde du rugby. Donc respect, chapeau à eux quoi. J'aurais été incapable de faire un millième de ce que font faire les mecs ce soir là. Donc notre rôle à nous de valide, c'est de les aider. En plus, je vois que ce sport est vraiment comme une formule, c'est-à-dire il faut des mécaniciens de très haut niveau, C'est compliqué, sur les fauteuils spéciaux, le petit Rudy Chiron aussi qui est venu filer un coup de main à son pote Guillaume, donc c'est compliqué, mais c'est sympa, et puis l'année prochaine, j'espère qu'on pourra s'inscrire en championnat. Et puis on ne se cache pas, on aimerait d'ici quelques années à ce que Guillaume puisse intégrer l'équipe de France en tant qu'entraîneur. Ça serait une belle récompense pour lui. Ce soir, le public a répondu présent aussi. C'est bien autour des valeurs du rugby. On avait communiqué en disant qu'il fallait soutenir et crier un peu, soutenir tous ceux qui sont sur les fauteuils. Et donc Toulon c'est le meilleur public du monde, donc on va le voir ce soir et on le verra demain matin. C'est un bon match. Merci bien. Et qui c'est qui va donner le coup d'envoi? Thierry Louvet qui est arrivé. Thierry Louvet, bonsoir. Un petit mot sur le coup d'envoi de cette naissance, de ce premier match du RCT quoi, de rugby Toulon de Guillaume. C'est déjà c'est fabuleux, hein. C'est extraordinaire qu'on puisse continuer à faire du rugby quand il arrive un malheur de la vie. Je dis chapeau et je suis vraiment ébloui, époustouflé. C'est vraiment fabuleux. Les grandes valeurs du rugby aussi. Oui, les grandes valeurs. Et puis surtout qu'ils soient adaptés. C'est beau de continuer, d'être encore cette fête, de pouvoir encore le faire, d'être motivé pour ça. Moi je dis chapeau et je crois qu'ils nous en remontrent. Voilà. Un dernier mot, le mot d'encouragement pour ce coup d'envoi. Eh bien, qu'ils se régalent, que le meilleur gagne et puis que voilà, surtout qu'ils prennent du plaisir. Je pense que c'est le but du jeu de toute façon. Je te remercie infiniment. Merci encore.